24 heures après l'annonce de fermeture de leur site, les salariés de la Saeta sont remontés. Et à la sortie d'un comité extraordinaire, l'allocution de leur directeur ne va en rien changer les choses. Nous avons perdu donc 30 milliards de cigarettes sur ces trois dernières années. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des usines Europe, la capacité est utilisée à moins de 50% et notamment donc à Nottingham et à Nantes. Ça ne tient pas la route, c'est tout. C'est pour eux se faire encore plus de sous, c'est tout. Au détriment des gens, c'est tout. C'est dégueulasse, point. Il n'y a aucune raison que ce site ferme et j'y crois. Et j'y crois, on va faire tout ce qu'il est possible de faire. Pour se faire entendre, les entreprises du secteur misent sur la solidarité. Car l'emploi à Carquefou est plus que menacé, non seulement avec la Saeta, mais aussi à Trelleborg, où 95 postes sont menacés. Je trouve ça complètement normal de venir en solidarité, soutenir les mouvements où de nombreuses personnes sont menacées de perdre leur emploi pour des raisons purement financières. C'est toute une région qui risque d'être impactée par la fermeture, le licenciement d'environ 300 ou 400 personnes. C'est un gros problème quand même. Désormais, les syndicats attendent le soutien de leurs élus et surtout celui du gouvernement.